Et bonjour YouTube, ici la marmotte, on est de retour sur Final Fantasy avec un boss, nouveau boss qui fera plaisir aux aficionados de Final Fantasy VII. C'est tout simplement l'arme rubis qui vient d'entrer tranquillement dans le jeu avec le dernier patch, la 5.2, et que je veux vous présenter sur cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Square Enix, et vous pouvez également trouver le lien pour tester le jeu jusqu'au niveau 35, c'est gratuit, c'est en dessous. Et si jamais vous devez essayer, n'hésitez pas à venir sur le serveur Luisoa. C'est parce que là où j'ai la compagnie libre, une guilde communautaire un petit peu ouverte à tout le monde. Des bisous et bon visionnage. Les nuées et Brandon, Kirabania. Tandis qu'arrive du fin fond de l'univers une arme rouge qui parlera à tous les aficionados de FF7. Machine de guerre anti-primordiaux V3, l'arme rubis. Ah, rien que la musique, c'est bon, elle défonce déjà. Rien que la musique, elle est déjà énervée. Allez. Hop. Et c'est parti, c'est bien. Donc je ne connais pas ce boss. On va rester avec tout le monde, il n'y a pas besoin que je me mette sur le côté. Ah si, il y a peut-être un truc qui se partage. Où il tape les deux premiers en agro-liste, Dontnod. Allez. L'arme rubis, nouveau défi de la 5.2. On débloque tranquillement en ayant fini l'épopée de la 5.1. Avec des flexi-griffes. Si je t'attrape et que tu recules, je te flexi-griffe. Alors griffe dira, bah, c'est quoi, c'est ça? C'est quoi? Il faut être dedans, pas dedans, je sais pas. Ok, donc ça c'est ça. Ok, ça va esquiver. On n'a pas trop esquivé pour le coup. Ah merde! Ah, c'est bon. J'imagine qu'il faut être sur les. sur les trucs. Une sorte de sable mouvant. Voilà. Elle avait rien. Bon, elle meurt vite en tout cas, j'avoue qu'elle a pas énormément de points de vie. Le retour de Flexigriff. Magnifique esquive, professionnalisme. On sent le regard acéré du champion du monde. Ok, allez, tous ensemble. Ok, deux, on se partage, très bien. Ça dit que Ice Mary, Luna, est morte. Il perd son âme. Le boss à 50%. Très bien. Oh là, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux niveaux de difficulté, bien sûr, elle est en normal. On va claquer invincible, on va pas faire le fou. Merci invincible, elle est en normal. Il y a deux modes de difficulté, normal et extrême. Pour les défis, il y a deux modes de difficulté, normal et extrême. Pour les... Tu as également le sadique pour les raids à 8 de type Eden. Et enfin, tu as le fatal qui sont des boss supplémentaires. Avec une difficulté qui leur est propre. À 40%. Ok. Ok, faut être devant elle. Très bien. On se switch. On se console de Nintendo. On se switch, on se répartit à la pièce. Et trinquons. Le retour des flexi-griffes peut-être. Ok. Ah purée, je le prends 100%. Yes, c'est trop lent. A priori, il faut pas être dessus là. Non, il faut pas être dessus.
dessus, à mon avis. Je suis pas sûr. Je crois qu'il faut pas être dessus. Ah, ça se voit que je connais pas le fight. Je prends tous les Vulnera. Toutes les Vulnets. Pour l'instant, tout se passe bien. Aucun problème. On la déboîte. Alors, à noter que si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'effets lumineux, c'est tout à fait enlevable. C'est moi qui ai décidé d'être en mode full graphisme, tous les effets, les miens, ceux du boss, ceux des ennemis, en mode indécent. Mais il y a carrément moyen de. Ah merde! Il y a carrément moyen de. Waouh, j'ai pris toutes les vignettes du monde. Il y a carrément moyen d'enlever tout ça. Et de ne laisser que. On n'a pas les deux ensemble! Ah, c'est le wipe. Oh, il n'y a que moi qui suis mort, tant mieux. Parce que là, les deux où étant ensemble, du coup, ça aurait risqué de tuer tout le monde. Bah, 2, 1. Elle meurt super vite, donc soit le boss est bidon, soit il y a une P2. On va voir. Ah. Voix féminine solennelle. Ah, les petits wordings à la FF7. Nel von Darnus, c'est le. Elle était dans le raid Bahamut. Je suis Nel von Darnus. Le chef d'orchestre du projet Météar. Ok, donc c'est une P2. Nouveau fight donc. Oh, il y a quoi à tuer? Il y a des ZAD? Ok, il y a des ZAD à tuer. Ah mais il y a une jauge. Ah, il y a une légère de Dalamud. D'accord, faut DPS. Ah, je vais peut-être me mettre en stealth. Faut peut-être tank là en fait. Je suis en train de me dire. Il y a peut-être des trucs à tank. Il y a peut-être plusieurs ZAD, il y a peut-être des trucs à tank. J'ai pas fait gaffe. Ah, cette petite voix d'opéra. Votre soprano, non? Je kiffe. Il reste 10 secondes pour tuer l'AD. Ok, c'est tranquille. On est large. Un peu comme celle d'épaisse. C'est quoi qu'on prend de la gueule? On prend vraiment un météore? Ah, c'est pour t'écraser. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ah oui, c'est un peu. Fin du monde. Ah. Il fait mal le décor, un petit truc au fond qui fait mal aux yeux. On va voir quoi. La ville derrière. Ah merde, du coup je peux regarder. Quel con. Désolé, je regardais le décor. Pardon. Pardon. Ah oui. Facile. 5 secondes, on est large. Oh lol! C'est comme stylé.
Et là, elle balance des grands projets metteurs dans notre mouille. Indignation. Quelle indignité. Ça tape un peu quand même. Non. Ah, et parce qu'elle pense plus que des indignations, d'accord, faut juste le full smork. Ok. Ah, d'accord, on en est juste là en fait, full smork et basta. Ok, rire météore quand même. Il y a d'autres pouvoirs. La musique est trop stylée, n'empêche. Ok, d'accord, ça balance juste des indignations de plus en plus fort. Allez, nice. Et allez. Ouais, tranquille, c'était sympa comme fight. C'était vraiment sympa. Ce petit combat. Un petit effet du plaisir en deux phases assez sympa. Un peu comme Hades fait nos sens. Aucun problème. Nous allons honorer un coéquipier. Bah, fort agréable comme.